Heures qu'on attend comme des poireaux, pas de nouvelles, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Tu sais, vraiment pas sûr que Tourmente nous laisse squatter sa bicoque. Négocier? Slive négocier? Ah, tu me fais rire, Zorcha. Pour lui, négocier veut dire faire parler des poings. Plus charnel? Comment ça, plus chat? Oh, dégueulasse! Oh, attends, écoute, il descend. Alors, gros, dis-nous, mais dis-nous! Putain d'enchantresse! J'essayais, je vous jure, et sans m'énerver. Je lui ai bien expliqué tous les avantages qu'elle aurait acceptés. Ah ouais, bon bah tant pis. Au début, j'ai pas lâché, mais je voyais bien qu'elle écoutait que d'une oreille cette salope. Bon, pas grave. Et j'en ai donné des bonnes raisons. T'inquiète, c'est qu'une bouffeuse de cancre là. Avant qu'elle accepte. Mais t'inquiète, je te dis... Qu'elle accepte? Ah putain que oui! Petit Zorcha, ça y est, nous sommes pour 200 pièces d'or, propriétaires de l'os tordu. Tourmente, comme à son habitude, se matérialise soudain dans la pièce. Donc, je résume, je suis une putain d'enchanteresse, salope et bouffeuse de cancrelat. Monsieur Slive, notre association commence à merveille, je crois. Oh oh! Vous avez du travail si vous voulez que vos arènes ouvrent rapidement. Croyez-moi, un commerce même aussi stupide que le vôtre ne va pas tourner tout seul. Ouais, vous avez raison, dame. Les gars, grand ménage de printemps. Les arènes d'Avrenuit vont ouvrir leurs portes. Les arènes d'Avrenuit, ouah, ça en jette comme nom, dis donc. C'est clair, j'en suis assez fier. Alors ça y est, fini pour nos gueules de risquer notre peau pour quelques piécettes. À Pulis, cryptes, couloirs de la mort et autres dimensions maléfiques. C'est ça, petit. On peut dire qu'on a gagné. Ouah, ben merde alors, ça me fait tout bizarre de raccrocher. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais t'es un sacré chef. Oh! Ouais, bah assez bavassé, feignasse. Si tu veux pas mon pied dans les roupettes, prends un balai, va t'occuper de l'arrière-cour et nettoie tout à fond. Eh ben, ce moment euphorique n'aura pas été bien long. Ha ha ha, ça, on s'en occupe. Hé, hey, toi là, hein? Hein, Friedrich? Tu vas nous trouver du monde pour nos arènes d'avonnée. Oui, Slive, je vais tâcher de les faire vivre, ces arènes d'Avrenuit. Quel nom magnifique que tu as choisi là. Alors bonjour à tout le monde, merci de nous rejoindre dans cette vidéo de fin de campagne, mini-campagne pour être précis. Mini-campagne de Gloomhaven. Tout d'abord, je précise que si elle s'arrête maintenant, cette campagne, c'est parce que j'ai toujours eu en tête que lorsque l'un des trois personnages, des trois salopards, aurait atteint son objectif de carrière, eh bien, ce serait l'occasion idéale pour clore tous les épisodes. Donc c'est le cas, Slive a trois pièces près, mais il lui a suffi de revendre un équipement pour atteindre son objectif de carrière, donc les 200 pièces d'or. Ben voilà, c'est fait, c'est bouclé, donc je ne veux pas
me lancer, continuer sur un enchaînement d'autres scénarios en changeant de personnage. Ça, je le ferai peut-être avec Po et Caro dans la campagne qu'on a initiée de notre côté. Mais il y a aussi, surtout, le fait que d'un point de vue timing, temps qui m'est alloué pour mes loisirs depuis plusieurs mois maintenant, ce temps s'est amenuisé de plus en plus, donc il faut que je recentre un petit peu tout ça. Donc ça tombe vraiment pile poil, hein, le fait de combiner à la fois l'objectif de carrière et le temps que je n'ai plus beaucoup en ce moment, par rapport aux deux années passées, on y est, c'est le bilan. Alors, un maître mot pour ce bilan, pour le caractériser, ça va être amusement. Amusement, c'est vraiment ce qui ressort de ce Gloomhaven, absolument magnifique. C'est le jeu narratif que j'espérais. Aucune déception de ce point de vue-là. Je reviendrai dessus d'ailleurs en faisant un vrai qu'est-ce que t'en penses, hein, pour donner mon avis sur l'intégralité du jeu. Mais là, dans le cadre de la campagne, amusement, c'est clair et net parce que je me suis beaucoup amusé déjà à la création des persos, à imaginer comment j'allais les jouer, ou du moins dans l'esprit, les personnaliser en tout cas, et les personnifier. J'ai repris l'idée que j'avais eue un petit peu avec Blackstone Fortress à l'époque, où déjà Janus et les autres étaient... J'avais essayé de leur faire imprégner, de les faire s'imprégner d'une certaine personnalité. Là, ça aura été encore plus poussé, notamment avec le fait de prendre leur voix et de m'obliger à penser en quelque sorte un petit peu comme eux. Ça a vraiment été excellent. Et surtout que, comme je vous le disais, là, Gloomhaven, c'est un jeu ultra narratif, donc ça cadrait parfaitement avec les situations dans lesquelles ils pouvaient être, ils pouvaient se trouver. Et puis sur le terrain aussi, s'adapter avec ça. Et puis l'amusement, j'en ai eu beaucoup avec la conception des terrains, des décors. Ça a été vraiment aussi excellent à faire parce que ça m'a obligé à me triturer un petit peu plus l'esprit par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire. J'avais réinvesti aussi en anticipation de la sortie de Gloomhaven en décembre, l'année dernière, hein, décembre 2019. J'avais réinvesti un petit peu dans des décors à l'avance. Et déjà, la mise en place, c'est un premier amusement pour moi avec ce jeu. Il y a beaucoup de matos. Et le fait d'en rajouter avec des décors, changer de tapis, créer des surélévations, enfin voilà, l'esprit a été grandement sollicité, l'imagination. Et ça, même chose, grande part d'amusement. Et puis le reste de l'amusement, ça a été le partage avec vous, hein, le fait de pouvoir échanger via les commentaires. Tous les premiers épisodes aussi ont été sympas sur toutes les erreurs que j'ai pu commettre, et Dieu sait s'il est facile d'en faire en solo, parce que ça a permis à la communauté, comme ça, entre nous, d'échanger, de corriger le tir. Ça, c'était vraiment aussi excellent. Une chose un peu moins excellente à ce jour avec Gloomhaven, c'est que quand on voit le livret, là, et plus de 95 scénarios, le nombre d'heures que ça peut représenter, c'est totalement hallucinant. Là, on en a passé ensemble combien, je ne sais pas, mais il y a eu 14 scénarios, ça représente une vingtaine d'épisodes, donc une trentaine d'heures peut-être, oui, facilement une trentaine d'heures. Il y a encore beaucoup à faire. Alors, je suis franchement pas sûr de continuer en solo. Par contre, comme je vous le disais, avec Po et Caro, on a initié notre propre campagne. On verra jusqu'où on peut l'amener à bien. Mais ça, c'est un côté frustrant et c'est ce qui fait sa force aussi à Gloomhaven, là, c'est que c'est tellement énorme qu'il faut prévoir du temps. Je le savais, à ce point-là, c'est assez faramineux. Alors, en plus, le fait de faire les montages des vidéos, bien sûr, ça en prend encore plus du temps. Mais si on se concentre juste sur l'aspect jeu de société et puis mener à bien la série de scénarios pour les enchaîner, c'est vraiment des mois et des mois à y passer. Sachant que c'est un jeu quand même, si on ne joue pas au moins 2 à 3 fois par mois, on perd en intensité, en énergie, etc. Donc oui, il est très chronophage,
C'est peut-être un point faible pour certains, en tout cas pour moi, c'est une très grande force. Alors c'est le côté frustrant parce que je suis loin d'avoir débloqué les enveloppes ou les personnages qui sont fournis dans la boîte. Mais c'est pas grave, chaque chose en son temps. Sinon, que dire de plus? Finalement, pas grand-chose à ajouter, hein. C'est un bilan qui fait que je regarde là parce que j'ai le plateau, la carte du monde autour d'Avrenuil qui est là, que je n'ai pas encore défait d'ailleurs. Je pense que ça va rester un petit peu à vue pour continuer de s'imprégner de l'effet Gloomhaven. Et puis, j'en ai pas tout à fait fini quand même avec vous là, et puis avec nos trois salopards, mais ça, c'est un projet sur lequel je travaille. Je ne m'avance pas parce que je vois bien qu'entre on a l'idée, on a envie que ça se fasse, et puis il s'avère qu'on ne peut pas le faire pour X raisons, donc pas de panique. Éventuellement, il y aurait des choses à venir après Gloomhaven. Bon, je ne vais pas m'étaler sur ce bilan, vous avez compris, hein, ça a été excellent à faire pour moi. J'espère que ça a été sincèrement excellent à suivre pour vous. En tout cas, le partage a été, lui, très bénéfique. Donc, on va se retrouver pour d'autres aventures avec d'autres jeux incessamment sous peu, voire bientôt. Pour ma part, je vous invite à partager cette vidéo, voire même les vidéos de la campagne. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres jeux, d'autres aventures. Salut, salut. Ah non, je vous ai salué, oui, mais en exclusivité mondiale, on va quand même faire venir en chair et en os pour les salutations et les remerciements d'usage, nos trois salopards. Allez, Slive, tu t'y colles, tu commences. Oh putain, l'autre, c'est pas possible, il aurait pu me prévenir. Bon, salut les ch'tis amis, et puis, comme dit Frédéric, merci pour tout, du suivi, tout ça, et partagez cette putain de vidéo si vous voulez pas avoir affaire à moi. Oh, Slive, du calme, tu vas les effrayer. Bon, excusez-le, hein, il est un peu bourru. Alors moi, pareil, je voulais vous dire un grand merci pour tout ce que vous avez fait, apporté, tout ça, et tout ça, et tout ça. Allez, à très vite. Bon, Zorcha, viens, fais pas ta timide.